Salut les mecs, salut les mèches, ça c'était la spéciale dédicace pour mon ami Alex Pilou. Il adore cette phrase, c'est moi qui l'ai inventée, c'est super. Je suis très en colère contre vous, j'ai reçu aucun cadeau, je sais pas si c'est normal ou si c'est dû au déménagement. Enfin bref, au sommaire, Nochan pour commencer, ça faisait bien longtemps que le petit bonhomme de Vixen nous avait pas parlé. Nous aurons ensuite une interview d'Eric Chahi qui va nous parler de From Dust, un des 6, et bien entendu... ce serait dommage de s'arrêter là. Continuons donc avec un auto tout simplement et je vous propose de regarder les news. Pour bien débuter ces news, voici un nouveau trailer de Thor, Dieu du tonnerre, le jeu sur Wii tiré du film bientôt au cinéma. Comme d'habitude dans ce genre de production, on se battra contre d'énormes ennemis en utilisant nos pouvoirs de super-héros. Ici en l'occurrence, on contrôlera la foudre et le vent. On pourra également voler dans des niveaux de shoot exclusifs à la console de salon de Nintendo. Bon, ça n'a pas l'air très joli, mais on va quand même attendre de voir le résultat final. Qui sait, nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise. Et on continue toujours dans le domaine des super-héros, avec le premier trailer de la version Wii de Captain America Super Soldier, l'adaptation du long-métrage éponyme en salle cet été. Au programme, de la bagarre et de la plateforme assez classique, et des graphismes nous ramenant à la bonne vieille époque de la PS2. Les textures semblent pour le moment plutôt pauvres, et les personnages bizarrement proportionnés. Bref, là non plus ce n'est pas très beau. On espère donc que le gameplay relèvera le niveau, mais connaissant le passif de Sega avec les licences Marvel, on ne va pas se montrer trop confiant. Vous vous souvenez des désastreux Iron Man ? Oui, oui, c'était bien eux. On vous avait déjà présenté Katarina la semaine dernière, et bien visiblement les gars de Obsidian Entertainment ne chôment pas, et nous sortent un tout nouveau trailer pour Dungeon Siege 3. Cette fois, on fait connaissance avec Lucas Montbaron, le fils de l'ancien grand maître de la Légion. Dernier représentant d'une lignée noble et respectée, Lucas ne se reposera pas avant d'avoir reconstruit la Légion et restauré l'honneur de sa famille. Épéiste talentueux et maître des deux positions de combat, il a le choix entre bouclier et épée pour attaquer rapidement et infliger de lourds dégâts, et une charmante épée à deux mains, qui bien qu'étant plus lente et inadaptée au combat à un contre un, fera de charmants ravages contre des masses de monstres. Nous voilà donc avec un archétype de warrior, et on ne serait pas étonné de voir arriver d'autres personnages d'ici la sortie du jeu prévu pour le 27 mai 2011 sur PC, PS3 et Xbox 360. This summer, the world's biggest adventure just got a whole lot smaller. Vous aimez les Lego? Vous aimez Pirates des Caraïbes? Dans ce cas-là, vous devez certainement être impatient de jouer à Lego Pirates des Caraïbes. Ce trailer, axé autour du deuxième film Le Secret du Coffre Maudit, met en scène Jack Sparrow et son équipe dans une scène culte, l'attaque du Kraken. Disponible dans quelques semaines, ce nouveau jeu Lego ne devrait pas décevoir ni surprendre ceux qui ont joué aux épisodes précédents. La recette reste inchangée, de la plateforme action avec beaucoup d'humour. Eh bien, si vous aussi, comme moi, vous aviez un a priori sur le Green Hornet de Gondry, le film qui est sorti il n'y a pas si longtemps, eh ben, arrêtons les a priori, c'est mal aussi bien pour les films que pour les gens, et regardez-le parce que c'est sacrément drôle, et je suis sûr que Nochan, s'il était réel, aurait aimé aussi ce film. Suis-je bête, il est réel, Nochan, il est parmi nous. Salut les attaques! Cette semaine encore, je réponds présent pour vous apporter quelques news bien ordi comme il faut. Bon, si vous êtes normal, vous pouvez rester, hein. On n'est pas sectaire. Noob! Freddy Wong est un jeune réalisateur américain qui fait parler de lui depuis un moment. Il a réalisé un film d'horreur, Beer, avec sa société de production, mais il est surtout connu sur le net pour avoir gagné en 2007 le championnat du monde de Guitar Hero 2 à Dallas et pour ses vidéos bluffantes qu'il diffuse sur sa chaîne YouTube. Il s'est déjà fait remarquer pour son délire sur Time Crisis 2 et récemment, il imagine ce que pourrait donner un Mario Kart pour de vrai. Et quand je dis en vrai, c'est en vrai, hein, avec les carapaces, les champignons et tout le bazar. Cool. Si vous voulez plus d'infos, regardez sur son site officiel ou chez nos amis d'écran.fr qui en parlent régulièrement. Après Mushi Mesama Futari, Death Smiles et autres Dodonpachi, Kei va annoncer le portage sur 360 japonaise de son dernier shmup horizontal sorti sur arcade. Akai Katanashin est prévu pour le 26 mai, soit environ un an après sa sortie sur arcade. Contrairement aux autres Danmaku plus anciens de la firme, celui-ci sera entièrement rendu en sprites HD, perso plus décor et 16/9, ce qui pour un shmup horizontal est plutôt cool. Mauvaise nouvelle par contre, le jeu sera zoné uniquement au Japon et devrait constituer la dernière sortie de Kei en matière de shmup. Pour l'année 2011. Oui quoi, je vous ai fait peur?
Si certains d'entre vous utilisent le navigateur Chrome ou Firefox 4, il est possible de transformer n'importe quelle page du web en terrain de jeu de Katamari Damacy version CSS 3. Il faut pour cela passer par katak.com qui vous permettra d'ajouter un bouton pour lancer son script sur n'importe quelle page. Bon, d'accord, il n'y a pas de temps limité et le truc bouffe pas mal de ressources, mais le résultat est vraiment sympa visuellement. Na 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 na. Pom 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 pom. On termine avec une magnifique création d'un fan de Flipper assez bricoleur. Il a un peu réfléchi et il s'est dit que le problème des Flipper, c'est qu'on ne peut pas changer de jeu contrairement aux consoles. Ce qui veut dire que pour collectionner les Flipper, ça prend vraiment trop de place. Du coup, il s'est fabriqué un Flipper virtuel avec deux écrans LCD, une carcasse de Flipper récupérée et un vieux PC dedans pour faire tourner les jeux. Et voilà, il se retrouve avec des centaines de Flipper. Trop bien. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Moi, je retourne jouer à la guerre des têtes et je vous dis à la semaine prochaine les otaks. Donc ouais, non, c'est vachement bien Green Hornet, parce que déjà, on nous parle de méchants, de mecs qui sont pas en collant, mais qui sont quand même des super-héros losers. Et surtout, et ça y était pas du tout dans la série, j'aime beaucoup la dualité qu'il y a entre les deux protagonistes principaux. Ah, et ouais. Sur ce, j'ai envie de dire place à Eric Chahi et From Dust, le jeu d'Ubisoft. Voilà. C'est avec un immense plaisir que nous avons eu l'opportunité d'interviewer Eric Chahi dans les locaux d'Ubisoft il y a de cela quelques semaines. Le game designer, à l'origine rappelons-le de Another World et Heart of Darkness, a en effet rejoint les équipes d'Ubisoft Montpellier depuis maintenant quelques années afin de travailler sur un nouveau projet de jeu, From Dust. Comme il nous l'explique, c'est lui qui a apporté l'idée à Ubisoft, celle-ci ayant bien évidemment évolué durant la production du jeu. En fait, je suis venu avec un... J'avais préparé un doc qui décrit vraiment bien l'univers, les intentions, le jeu. Et ça, le thème central du jeu, c'était l'érosion. Il y a beaucoup de fondamentaux qu'on retrouve dans le jeu aujourd'hui. Donc c'était un monde en perpétuelle évolution, en mouvement, dans lequel il fallait aider une tribu à survivre en préservant ses savoirs, en retrouvant des savoirs et une interaction avec l'environnement via la musique. Ce qui diffère entre l'idée originale et le jeu actuel, c'est que il y a une place qui était très importante au niveau de l'enchaînement des générations, donc les hommes qui pouvaient naître, grandir, vieillir et mourir en l'espace de quelques minutes. Donc aujourd'hui, on peut voir des jeunes, des vieux. Ça devait être vraiment intégré dans le gameplay. Et puis c'est devenu. Enfin, c'était un peu compliqué à mettre en œuvre. Donc voilà, cette partie-là a été abandonnée finalement. Mais tout le reste est là, quoi. Lorsque l'on prend en main le jeu, avec ses environnements en perpétuelle évolution, réagissant en temps réel aux interactions du joueur, il apparaît évident que la passion d'Eric Chahi pour les volcans a grandement influé sur le game design de From Dust. La première fois que je suis allé sur un volcan en activité, je tiens à le préciser, parce que c'est bon, des volcans j'en avais déjà vu, mais en activité c'est autre chose, quoi. C'est frappant en tant qu'expérience. Vu des images, mais quand on est sur le terrain, on sent les vibrations, il y a la chaleur, il y a les odeurs, et puis il y a le gigantisme qu'on peut vraiment appréhender. Et ça, c'était en 99. Mais en 99, je m'étais pas dit, je vais faire un jeu avec des volcans. C'est plus tard, au fil de voyage, j'avais. En fait, ce mouvement, j'ai envie de créer un jeu autour de la géologie. Et puis plus tard, ça a fusionné avec une idée autour de ces hommes éphémères qui, avec le temps qui passe. Donc tout ça, ça fusionnait assez bien et ça aboutit à From Dust. Vous le savez, les journalistes, tout comme les joueurs d'ailleurs, aiment bien placer les jeux dans des petites cases pour les affilier à un genre précis. From Dust est donc ce que l'on appelle un God Game. Un jeu né avec Populous, où le joueur se prend pour Dieu en modifiant son environnement de jeu. Pourtant, au départ, From Dust n'était pas destiné à s'inscrire dans ce genre oublié.
Ce qui est super bizarre, c'est qu'au départ, c'était pas du tout un God Game. C'était même l'opposé du God Game. Puisqu'on était vraiment que du côté de la tribu qui est un peu écrasée par ce monde qui bouge en permanence, toutes les échelles de temps qui nous sont habituellement imperceptibles, comme l'érosion, enfin tout ce qui se passe sur Terre, mais à des échelles géologiques importantes, bah là, on pouvait, elle devenait vraiment très, très présente et on devait interagir directement avec les hommes. Et puis il y avait cette simulation qui était là, qui était nécessaire pour avoir ce monde qui évolue, qui a pris de l'ampleur et qui était, c'était vraiment super, super fun à utiliser parce qu'on l'utilisait pour construire nos environnements. Et dans le jeu, il manquait quelque chose. Et à un moment du développement, on s'est dit, on va interagir directement avec l'environnement. Et c'est comme ça que c'est devenu un God Game. Mais après y avoir joué, From Dust se présente plutôt comme un God Game inversé qui explore davantage la relation entre l'homme et la nature que la domination de l'homme sur cette dernière. Finalement, dans le jeu, on a des pouvoirs qui sont très puissants, donc on peut qualifier de divins. Mais malgré tout, la nature est là et la nature est au-dessus du joueur, malgré ses pouvoirs. Et parce que c'est dans le jeu, il y a une quête où on doit retrouver les traces du passé. Enfin, la tribu, elle poursuit une quête et c'est retrouver aussi des pouvoirs qui permettent de maîtriser la nature. Le moteur du jeu, spectaculaire, a demandé énormément de travail et les programmeurs ont dû créer de nombreuses itérations avant de pouvoir obtenir le résultat désiré, qui devait être à la fois impressionnant et réaliste d'un point de vue géologique. En fait, la simulation, c'est une immense grille, donc, c'est plein de petites entités qui représentent le terrain. Et c'est l'ensemble de ces petites règles qui font que le monde s'adapte en permanence par rapport à son évolution et à ce que fait le joueur. Donc quand il y a une rivière qui coule, va s'adapter par rapport au terrain, va creuser son lit. Le résultat est tout simplement époustouflant et From Dust possède du coup un petit côté sandbox puisque le joueur peut s'amuser à façonner son environnement comme il le souhaite, sachant qu'il est possible d'aider la tribu en utilisant différentes stratégies qui auront elles-mêmes des conséquences uniques avec lesquelles il faudra composer. La musique constitue une autre des originalités du jeu et un élément de gameplay à part entière qui fit l'objet du plus grand soin. À Montpellier, il y a des personnes vraiment super... super compétentes et qui ont vraiment accroché sur le projet, comme Alexandre Carlotti, Charlie, voilà, qui ont vraiment poussé le jeu au maximum par rapport à ça. Et ensuite, on a travaillé avec un compositeur qui s'appelle Tom Salta et un percussionniste qui s'appelle Bashiri Johnson, qui a travaillé. C'est un des meilleurs percussionnistes. Il a travaillé avec Miles Davis, Madonna. Enfin, on allait dans son studio qui ressemble à un appartement avec plein d'instruments partout et il avait des centaines d'instruments. Et donc la musique, qui est une musique qui est jouée par les hommes de Dust, et c'est pas une musique qui va vers la pure esthétique musicale, pas seulement. C'est avant tout une musique pour communiquer avec la nature. Donc pendant la session d'enregistrement, c'était une improvisation en quelque sorte pour trouver les meilleures, les bonnes couleurs, les bons timbres, les bonnes sonorités. C'est voilà, on est face à un volcan. Là. C'est quoi la musique pour maîtriser le volcan? C'est chaleureux, c'est de l'acoustique. Il y a un côté tribal, mais en même temps, on ne sombre pas dans les clichés, enfin dans les musiques qu'on pourrait entendre un peu partout. Voilà, c'est pas la musique du Roi Lion, par exemple, pas du tout, rien à voir, quoi. C'est vraiment brut de décoffrage et en même temps super, super cohérent dans l'intention. Annoncé pour l'été 2011 sur PSN et XBLA, From Dust porte en lui les obsessions de son game designer, tout en se démarquant avec sensibilité du God Game. Si le joueur possède bel et bien des pouvoirs divins et la capacité de modifier son environnement, il n'impose pas sa loi comme dans un Populous ou un Black and White. Il devra aider une tribu à survivre en ravivant les liens qu'elle entretenait jadis avec Mère Nature pour finalement composer avec elle et s'adapter sans cesse à la toute-puissance des éléments tels que l'eau, le sable ou la lave. It falls to me to guide them. Together we must reclaim our powerful heritage. Safeguard this primordial knowledge for all and forever.
or watch as our whole world crumbles into dust. C'est drôle quand même cette histoire. Alors après, je sais que je vais peut-être spoiler, mais on s'en fout. Mais il y a quand même le valet, quoi, le chauffeur, qui veut prendre la place du super-héros, être super-héros à la place du super-héros. Et ça me fait marrer. Du coup, il y a plein de situations super rigolotes. Sacré gonderie. Et puis la blague du sushi aussi, c'est vachement chouette. Sur ce, j'en suis où ? Eric Chahi, j'ai fait. Du coup, c'est indécis. C'est Rune World 2. Non, Rune Quest 2. Il y a toujours un quest dans les jeux de rôle. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Après la sortie de Donjons et Dragons en 1974, il a fallu attendre 4 ans pour voir arriver ses premiers vrais concurrents. Le plus célèbre d'entre eux était RuneQuest, sorti en 1978 chez un jeune éditeur Chaosium. Plus de 30 ans plus tard, c'est chez l'éditeur britannique Mongoose Publishing que RuneQuest connaît désormais une seconde jeunesse avec RuneQuest 2. Comme Donjons et Dragons, RuneQuest est avant tout un système de règles sur lequel se greffent différents univers. Le premier et le plus connu de ces univers est Glorantha, un univers de fantasy en apparence classique mais beaucoup plus mystique que le classique univers met fin à la Tolkien. Sur Glorantha, les dieux se livrent une guerre en utilisant mortels et héros comme des pions. Les créatures typiques de la fantasy, comme les nains ou les elfes, sont assez différentes de leur représentation habituelle. Les nains sont littéralement des créatures de pierre, tandis que les elfes sont des êtres végétaux. Les mythes, et leur signification métaphorique, sont au cœur de la vie quotidienne à Glorantha. La magie insuffle toute chose et peut être contrôlée par des runes, manifestations physiques des puissances contrôlant le destin. RuneQuest 2 dépeint Glorantha pendant son deuxième âge, aussi appelé âge impérial. Cet âge est caractérisé par l'affrontement de deux empires. L'empire des apprentis divins, servant un dieu unique et son prophète Malkion, dont le but est d'analyser et d'absorber les mythes des autres peuples pour s'approprier leur puissance. Et l'empire des amis des Wyrms, un empire missionnaire qui prône la toute-puissance des dragons. Un autre univers de jeu mis en avant par Mongoose Publishing est Deus Vult, un univers diamétralement opposé puisqu'il dépeint une terre alternative à la fin du XIIe siècle. Les joueurs font partie de l'Ordre de l'Amère-Piété, un ordre catholique de moines guerriers chasseurs de monstres traquant créatures démoniaques, sorcières et hérétiques à travers l'Europe. Que ce soit dans Glorantha ou Deus Vult, les joueurs vont incarner des êtres hors du commun, des héros dont les exploits changeront la face du monde. Si des éditions précédentes de RuneQuest avaient fini par adopter le système D20 OGL, c'est-à-dire le système de règles de Donjons et Dragons, RuneQuest 2 marque le retour à un système de jeu original plus proche de celui de 1978. On a donc affaire à un système à base de pourcentage. Lorsque le joueur veut effectuer une action, il utilise une compétence. Le score de compétence est défini par l'addition de deux attributs spécifiques. Par exemple, pour utiliser la compétence athlétisme, il va additionner sa force et sa dextérité. Puis il doit lancer un dé 100, c'est-à-dire un dé à 10 faces pour les dizaines et un autre pour les unités. Si le résultat est inférieur ou égal au score de compétence, l'action est une réussite. A noter qu'il existe deux types de compétences, des compétences de base que tous les personnages possèdent, et des compétences avancées qui doivent être apprises avant de pouvoir être utilisées. RuneQuest 2 est une belle réussite qui devrait séduire de nombreux joueurs. Le système de jeu est simple à appréhender et se caractérise par un plus grand réalisme par rapport à Donjons et Dragons. Par exemple, dans RuneQuest, chaque membre du personnage a ses propres points de vie. Bon d'accord, ça c'est peut-être un peu hardcore pour certains. Les personnages ont également plus de profondeur, le système de création mettant l'emphase sur la culture dont est originaire le personnage et les événements survenus dans sa jeunesse. Quant aux univers proposés, qu'il s'agisse de Glorantha ou de Deus Vult, ils sont très intéressants et surtout très différents, ce qui démontre bien la flexibilité et la richesse des règles de RuneQuest 2. Bref, RuneQuest revient en très grande forme, et en plus Mongoose a eu la bonne idée de réaliser directement une version française du jeu, ce qui est une initiative fort appréciable. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien! Ça faisait longtemps que j'avais pas annoncé un auto. Je crois que c'est le premier que j'annonce depuis le retour de Caroline en France parmi nous. Je préfère vous parler de Green Hornet. Parce que si vous êtes fan de gadgets, vous allez trop kiffer. Voilà. Et auto.
En même temps, si vous êtes fan de musique japonaise et de Caroline, vous allez trop kiffer aussi. Et bienvenue dans Auto. Ce soir, je tourne pour la première fois dans les nouveaux locaux et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est la classe. Comme certains le savent, j'ai également été accueillie en France avec les microbes français, hein, qui sont vraiment super virulents si on compare aux microbes japonais, parce qu'au Japon, j'étais jamais malade. Et là, en une seule semaine, je me suis enchaînée deux maladies. Mais heureusement, là, je commence à voir la guérison. Je commence à parler normalement sans m'étouffer à chaque mot que je prononce. Dans cette émission, vous aurez les topics ainsi que les concerts. On commence les concerts avec Shugo Tokumaru. Son dernier concert en France aura lieu ce soir à Lille, à la Péniche. Le groupe Orochi sera en concert le 8 au soir à Marly-le-Roi dans les Yvelines, donc en région parisienne, à la Petite Entreprise pour la Japan Party. Le 8 et 9 avril, c'est le duo fraternel Yaneka qui organisera des concerts dont les fonds seront intégralement reversés à la Croix-Rouge japonaise. Espérons que de nouvelles dates françaises viennent s'ajouter à ces deux-là, et pourquoi pas en espérer une à Paris. Le 8, 9 et 10 avril, vous retrouverez le groupe Loveless en concert à Marseille au Poste à Galène, à Paris au Manga Party Festival et à Toulouse au TGS au Hanami. On termine avec le groupe Trildan qui sera le 10 à Paris au Manga Party Festival, comme vous le savez déjà tous. Dans deux semaines, nous parlerons en plus des concerts de Hiruma Ryoka, Lix, le groupe D, Masashi Hamaozu, Versailles Philharmonic Quintet, Mono et de Maximum Zirmon. On commence les topics avec une des stars montantes du moment, la petite Ashida Mana. À peine âgée de 6 ans, la petite semble déjà avoir conquis une bonne partie des Japonais. Elle s'est fait remarquer en 2010 dans le drama Mother pour lequel elle a reçu plusieurs prix. Et cette année, elle enchaîne donc tout naturellement des dramas, des films et des pubs. Et à la fin du mois de mars, lors d'une émission de variété, elle a pu montrer qu'elle aimait aussi danser et elle a fait une petite démonstration de ses talents sur Mister Dokkara, ce qui a fini par faire craquer les quelques Japonais qui n'étaient pas déjà fous d'elle. La seule chose qui lui manquait, c'était de se lancer dans la chanson. Et ça va être chose faite en mai. Accompagné d'un autre petit garçon du même âge, Suzuki Fuku, ils vont chanter la chanson thème du drama Marumo no Kite, dans lequel ils joueront des jumeaux. Et apparemment, la chorégraphie devrait être très très mignonne. Depuis le séisme et le tsunami du 11 mars au Japon, de nombreux artistes et associations ont décidé de récolter des fonds pour aider les victimes de ces catastrophes. Et parfois, on veut juste transmettre un message de soutien, comme c'est le cas de Mei Jay. La chanteuse avait fait un 101% quand elle était de passage à Paris il y a quelques semaines, et c'est le 29 mars qu'a été publié sur le channel officiel de son label Evex un message ainsi que l'interprétation d'une de ses chansons en version acoustique. Vous pouvez vous aussi aller voir et entendre Kimi no Tonarini dans cette version si touchante que Mei Jay nous offre. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons Juju avec Onoyoru Otometeyo, son avant-dernier single, sorti fin 2010. Il y aura également Aqua Times avec Mayonaka no Orchestra, et là c'est leur dernier single en date, sorti en janvier. Il y aura également Tamurapan avec Buto Basuzo, il y aura aussi Sao Junctions avec Ai no Karasawagi, Shiawase ni naro ja arimasen. Il y aura également le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura Kuroki Meisa avec le clip LOL. Donc déjà, le clip interpelle pas mal, je pense, au niveau du titre. Parce que LOL, c'est quand même pas rien. Et c'est L-O-L. L-O-L, Laughing Out Loud. C'est quelque chose qu'elle répète beaucoup dans le refrain. Et c'est un des clips qui a le plus marqué Mehdi dernièrement, apparemment. Il a bloqué dessus, mais vous comprendrez dans quelques instants pourquoi. C'est également un de mes clips préférés. Donc c'est avec grand bonheur que Kuroki Meisa arrive sur No Life. Ah, pensez à voter pour le J-Top, c'est très important. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bye bye. C'est marrant parce que j'arrête pas de vous parler du Green Hornet et puis en fait devant moi il y a un anneau tout vert
Et du coup, j'ai l'impression d'être hypnotisé par la voiture du Green Hornet. Et ça, c'est toute la magie d'un 101%, ça nous fait rêver. Je vous dis au revoir et à bientôt.